Nous allons commencer le direct, c'est le matin. Bon, je n'ai pas pu dormir aujourd'hui. Je suis très ému. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne journée à vous. Bien dormi avec tout ce qui va. Je suis très heureux parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes en ce qui concerne la Constitution. Et j'avais fait une proposition à dans plusieurs oreilles. Et là, hier, j'étais très heureux de voir un homme intègre, un Gabonais, un vrai fils de ce pays, qui s'adressait à son frère, à son président. Bravo à M. Jean-Rémy Yama, qui a utilisé les mots juste et que je vais juste compléter. Parce que si hier, je l'ai dit en disant au président, monsieur le président, ne dormez jamais avec les yeux d'autrui. On ne dort pas avec l'œil d'autrui. Monsieur le Président, je vous disais, lorsque je faisais un direct dans la voiture alors que je partais en Guinée, je vous parlais de la méthode. Et je vous ai dit, Monsieur le Président, Brice Clotaire-Oligui, je vous ai dit, ne soyez pas prévisible. Faites-vous un mythe. Faut pas qu'on dise de vous, on savait qu'il devait arriver là. Mon père avait l'habitude de dire, il faut jamais montrer dans la vie, il faut jamais montrer aux gens ce qu'on aime. Si vous montrez aux gens ce que vous aimez réellement, vous devenez vulnérable, facile à toucher. On sait que quand comme Fortuné aime boire le coca, quand il viendra à la cérémonie, préparez déjà le coca, forcément, il va boire ça. Non. Un homme, un grand homme, est un homme imprévisible.
Lorsqu'on l'attend, quelque part, il surgit ailleurs. D'ailleurs, Dieu lui-même l'a fait, mon président. Dieu l'a fait. Alors que le peuple de Dieu attendait un guerrier, à l'image de David, de Saül. Mais Dieu est passé de l'autre côté, il a envoyé Jésus, un guerrier d'amour. Raison pour laquelle beaucoup en Israël n'ont pas d'abord accepté le Christ, parce qu'en réalité, ils s'attendaient à voir un deuxième David. Mais ils avaient un guerrier de l'amour, Jésus-Christ. Monsieur le Président, il faut savoir vous vêtir de votre peuple. Avant d'aller dans ce sens-là, je vais d'abord vous montrer le danger. Monsieur le Président, je vous l'ai dit la dernière fois, l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection municipale diffère de l'élection référendaire. Le référendum, on ne gagne pas un référendum avec 60%. On ne gagne pas un référendum avec 70%. On gagne un référendum à partir de 80%, dans un pourcentage supérieur ou égal à 80%. Et même à 80%, il y a encore un doute. Parce que le seuil de sécurité dans cette élection, c'est 95%. Le seuil de risque, c'est 5%. Parce que c'est une question fermée, oui ou non. Bien évidemment, comme Jean-Rémy Yamal a développé hier, il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Quand je les écoute, ils séduisent mon intelligence. Jean-Rémy Yamal en fait partie. Monsieur le Président, vous savez, le risque dans tout ce qui se passe, c'est que vous avez à côté de vous le oui, mais un oui bipolaire. Vous avez le non. Mais un nom bipolaire. Ah. Il y a eu plusieurs référendums en France, mais deux référendums ont marqué la France. Le référendum qui a destitué le général de Gaulle et celui qui a affaibli Jacques Chirac. En fait, dans ces référendums-là, les Français ne sont pas partis pour voter une loi ou refuser une loi. Ils partaient pour défaire ou fixer les présidents. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui au carrefour du savoir et de la raison. Ah, monsieur le président de la République. Il y a des noms qui disent on ne veut pas d'un militaire, on ne veut pas machin, tout, il faut reconduire un autre président. Ces noms-là, ils sont là, comme l'a dit Jean-Rémy Yamal. Ces noms-là sont là. Et c'est pas aujourd'hui. J'ai dit ça depuis. Je vous le dis depuis. Mais, comme fortuné, je ne sais pas qui m'a craché à la bouche. Ma voix n'est jamais entendue. Un incompris. Mais au moins, c'est sorti maintenant de la bouche de Jean-Rémy Yamal. Monsieur le Président, prenez conscience. Il ne faut jamais,
Il ne faut jamais ambitionner boire l'eau de la rivière si je savais. Il ne faut jamais ambitionner boire de cette eau. Si je savais. Il y a des oui également qui sont contre Oligui. Les oui qui demandent à Oligui de s'opposer au peuple, à la raison du peuple. La Bible déclare, c'est vous qui allez à l'église. La Bible déclare, ma voix est celle du peuple, dit l'Éternel Dieu. Ma voix est celle du peuple. Il y a un nom qui te déteste. Et il y a un autre nom, un autre, il y a aussi un oui, qui te déteste. Les deux, ce sont les deux qui sont plus entendus. Ce sont eux qu'on entend. Les oui qui sont contre Oligui, qui n'aiment pas Oligui, mais qui se contentent du petit pouvoir qu'ils ont. Oligui pense qu'ils font ça pour lui. Or, ils font ça pour la parcelle de pouvoir que le président Oligui leur a concédé. Monsieur le président, mon vône de kibé dama, mon vône de kibé founana nibé wabanankam. Parce que nous, on pense que c'est un jeu. On pense que c'est un jeu. Les enfants sont allés en vampire. Ils ont vu les parents faire le jeu du vampire. Ils ont pensé que c'était un jeu. Mais ils ne savaient pas que la vérité du vampire, en vampire, le jeu c'est la guerre, c'est la vérité. Ce que nous on néglige la journée, c'est des effets. On est lentement. Vous croyez que vous jouez. Donc vous signez des pactes. Des pactes indélébiles. Qui vont vous coller comme la colle indigène. Et qui ne sortira plus de votre corps. Il y a des gens qui apportent un but de chosification. Comment faire pour tenir Oligui en otage? Mais, monsieur le président, nous sommes dans quelle élection? C'est cette élection qui est un piège. Un piège. L'élection. Le référendum là. Le référendum seul est un piège. Parce que la Bible dit, ma voix est celle du peuple. Maintenant, il y a un nom. Le nom de ceux-là qui disent, on a un choix. Nous, on aime Oligui. On l'aime vraiment. Mais le papier là, le torchon qu'on nous propose là, ce torchon là, le torchon qui est vêtu de la monarchie là, entre Oligui et le peuple, quand ce nom s'exprime, ce nom n'est pas contre toi. Parce que ce nom ne vient pas de faire ou faire. Ce nom vient de faire la loi. Notre nom ne s'opposera pas à toi, monsieur le président. Non, mais ça va s'opposer à cette constitution-là. Nous allons lutter contre cette constitution. Monsieur le président, vraiment, excusez-nous. Je peux même vous dire, que s'il y a des hommes qui vous aiment, ce sont ceux-là, ceux qui viendront avec un nom pour sauver la patrie, pour vous sauver vous-même. Parce que, souvenez-vous, quand on amène un système comme ça, on vous lit, on met les chaînes, et après vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous êtes liés à jamais. C'est ce qui est arrivé à Omar Bongo. Il était esclave de son propre système. C'est ce qui est arrivé à Ali. Esclave de son propre système. Et Ali lui-même l'écrit dans sa lettre. Il pensait dominer son système. Mais il a fini par être phagocyté par le système.
Monsieur le Président, la meilleure manière de se détourner d'un système aussi fort, c'est de ne jamais même rentrer à l'intérieur. Lorsque ce système commence déjà à vous envelopper quelque part ou un membre, retirez vite ce membre pendant qu'il est encore temps. Il y aura un oui. Un oui. Un oui peut-être, un oui de solidarité. Mais ce oui-là ne paye pas. Parce que même si on prend tous les génies du monde, il s'agit de donner le oui de la Constitution. Tous les génies intellectuels du monde réunis pour penser, réfléchir sur cette Constitution, ils vont dire tous non. Mais comme il y aura une solidarité quelque part, une fausse solidarité, je vous dis, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas revenir dans le développement de mon cher aîné Jean-Rémi Yama, ce qu'il a d'ailleurs bien fait, pour vous démontrer le danger du devenir d'un humain quand il a trop de pouvoir. Ça, Jean-Rémi l'a si bien fait. Mais je vais vous rappeler l'histoire d'un homme. Vous qui allez à l'église, Monsieur le Président. Saül fut un roi choisi par Dieu dans des circonstances que tous les chrétiens connaissent. Le peuple de Dieu a besoin d'un représentant. Et Dieu va demander à son prophète de choisir Saül. Saül devenu roi, il a pensé que tout pouvoir était à lui et qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Résultat, Saül a commencé à fréquenter les interdits, à faire du mal, à défier Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a l'excès de pouvoir peut vous dénaturer. C'est pourquoi, lorsque Dieu délivre son peuple en captivité en Égypte, au désert, Dieu va dire à Moïse, « Moïse, Moïse, écoute la voix de ton peuple. » Parce que Moïse avait centré tout le pouvoir autour de lui. C'est lui seul qui pouvait parler avec Dieu. C'est lui seul qui venait dire ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui jugeait et qui traçait comment on doit fonctionner. Alors le peuple de Dieu lui dit dans le désert, « Mais Moïse, comment c'est toi qui dois voir Dieu? C'est toi qui écoutes Dieu? Nous, on va voir Dieu quand ?» Dieu dit à Moïse qui était fâché, « Écoute ton peuple. Écoute ton peuple. » Répartis le pouvoir, mais avant que je ne parle à ton peuple, dis-leur de jeûner, de s'abstenir de la viande, de ne pas coucher avec leurs femmes, et les femmes qui ont des menstrues, leurs maris doivent dormir par terre. Et ce jour, Dieu avait récité les 10 commandements de Dieu à travers la bouche de tous les fils d'Israël. Avant que Moïse n'aille chercher ses lois sur le mont Sinaï. J'ai envie de te dire, mon frère, lorsqu'on séquestre le pouvoir, lorsqu'on vous habille pour tout le pouvoir, c'est pour mieux vous duper. Quand quelqu'un il dit, est-ce que moi j'avais le pouvoir, tout le pouvoir c'est le président. Comment on le fait à lui aujourd'hui? Alors, je vais encore confirmer ce que je vous ai dit dans deux directs. Avant de vous le dire, permettez que je vous raconte une histoire. Monsieur le Président, il y avait un jeune homme, et il allait souvent chez sa belle famille. Il allait souvent voir sa petite amie.
jour, en rendant visite à sa petite amie, il trouve que chez les beaux-parents, on ne mange que les légumes. Mais dans son village, on ne mangeait que la viande de brousse. Il dit à sa petite amie, mais à chaque fois que je viens ici, c'est toujours les légumes. Moi, je n'aime pas manger ça. Quoi? Dans le village, les gens n'ont pas de fusil. Il dit oui. Il n'y a pas de cartouches. Elle dit oui. Papa a un fusil. Elle dit oui. Dis à papa de me donner le fusil. Moi, je vais aller chasser. Je ne peux pas manger. À chaque fois, je mange les légumes. Le père, la fille allait voir le père lui donne le fusil avec les cartouches, le gars est rentré dans la forêt. La nuit, il a tué un sanglier. Il a ramené le sanglier au village. Il a déposé ça à la cuisine de sa belle-mère. Il est descendu à la rivière pour aller se laver. À son retour, il a trouvé ses beaux-frères au corps de garde un peu plus loin. Il s'est assis pour discuter avec eux. En attendant que sa femme lui fasse signe pour venir manger. Quand il remonte peut-être dès la soirée à la maison, il trouve que sa femme lui a réservé 3 plats. Ici, le manioc, là, les algues, avec un peu mélangé avec l'arachide et les crevettes. Regarde, il m'a fait. Il appelle sa femme. Où est le sanglier? La femme dit, ah, mais moi je n'ai pas trouvé le sanglier, c'est ce que j'ai trouvé. On a mangé le sanglier, comme elle dit, ah, je ne sais pas. Le gars a fait le tour de la concession pour regarder si il devait trouver les ossements quelque part pour savoir qui a mangé. Il n'a rien vu. Il est reparti cette nuit-là dans la forêt. Il a encore tué un sanglier. Il l'a ramené au village. Il est descendu comme d'habitude. Il est revenu comme d'habitude, trouver ses beaux-frères, jouer au songo et autres. Quand il arrive à la maison, cette fois-ci, ce n'était pas les algues. Quand il vient là, ce qu'il trouve, c'est le folon. Ah. Mais chérie, l'histoire du folon, là, mais c'est comment le sanglier? Ah, amour, je te dis que je ne sais pas. Le gars est reparti dans la forêt, monsieur le président. Il a encore tué un sanglier. Mais cette fois-ci, il a dit non. Il a troué l'anus du sanglier. Il a mis la main, il a retiré le cœur. Il a enterré le cœur là où il avait tué le sanglier. Il est venu déposer le sanglier comme d'habitude. Il est descendu comme d'habitude. Il est revenu trouver ses beaux-frères comme d'habitude. Mais à peine il s'est assis à côté de ses beaux-frères, voilà son petit beau-frère qui arrive en courant. Bon, amen, 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 amen. Donc, beau-frère, beau-frère, beau-frère. Papa t'appelle. Le gars se lève. Il avance vers ses beaux-parents. Quand il regarde devant lui, toute la cour de son beau-père est remplie. Comme si on avait réuni tout le village à cet endroit. Il est venu. Le beau-père lui a dit, mais toi là, tu te prends pour qui? Tu viens faire n'importe quoi dans mon village? Il dit, ah, mon beau-père, j'ai fait quoi? Il dit, mais tu as fait comment? Tu as déjà vu un sanglier sans cœur? Comment tu peux venir me donner un sanglier sans cœur? Il dit, oh, mon beau-père, quel sanglier? Il dit, mais le sanglier que tu as amené là, c'est un sanglier sans cœur. Il dit, ah, mon beau-père. Moi aussi, je me pose la question. Le premier sanglier j'ai tué, ça a disparu. Même l'os, je n'ai pas vu. Le deuxième sanglier j'ai tué, ça a disparu. Même l'os, je n'ai pas vu. C'est comme ça que j'ai dit que, ah, peut-être quand je dépose souvent le sanglier là, ça s'échappe souvent. Donc j'ai enlevé le cœur du sanglier, j'ai enterré là où j'ai tué le sanglier pour voir comment le sanglier là allait encore fuir. Maintenant que nous sommes là, je me rends compte que vous aviez l'habitude de manger le sanglier. Mais la question que moi je vous te pose, mon beau-père, comment peut-on demander aux animaux de la forêt d'avoir le cœur alors que les humains au village n'ont pas de cœur? Monsieur le Président, si
Si vous-même, quand vous regardez les gens qui vous disent, oh non, ce sont eux qui vont vous donner le pouvoir, c'est les menteurs. Même moi, Fortuné et Doula, moi seul, je ne peux pas vous donner le pouvoir. Mais vous aurez beaucoup à gagner en respectant le peuple gabonais. L'échec de tous les présidents gabonais là, c'est parce qu'ils n'ont jamais respecté le peuple gabonais. Je dirais même l'échec des présidents d'Afrique, tous les présidents africains, ils ne respectent pas leur peuple. C'est pourquoi ils sont comme ça. Ils sont méprisés partout. N'importe qui peut les insulter. Ne soyez pas de ceux-là, monsieur le président. Ce n'est pas le pouvoir que vous devriez craindre. Ce n'est pas la présidence que vous devriez craindre. C'est votre peuple que vous devriez craindre. Parce que si vous vous défaites de votre peuple, mais vous n'êtes plus rien, monsieur le président. Cette constitution est sans cœur. C'est une constitution sans cœur. Donc ne demandez pas aux Gabonais d'avoir le cœur. Les Gabonais vont se dévêtir de cœur pour ressembler à cette constitution sans cœur. Je n'ai pas fait de longues études. J'avais du mal à traverser les arcades académiques du secondaire, même du primaire. Donc je n'ai pas fait de hautes études. Et même quand j'ai essayé de parcourir quelque part, je me suis trompé de chemin. Mais, comme à la valeur liée à l'éducation, l'école est l'institution qui permet à ce que nous arrivons à une véritable socialisation, ça là, je me suis quand même aventuré à parcourir les portails, sinon les murs des établissements scolaires, et à écouter la sagesse. Ne dit-on pas que toute connaissance aussi grande soit-elle coïncide avec l'expérience de valeur? Alors je me suis attaché à la valeur des aînés, resté à côté des pères. Et j'ai connu des pères d'une grande sagesse. Je peux vous les citer, ils sont nombreux, mais je citerai quelques-uns. Je vous parlerai d'Alondon, mon oncle, pasteur. D'Alondon, pasteur. Je vous parlerai de pasteur Kim, de sœur Pan, des missionnaires coréens. Je vais vous parler de Père Mbabo Solo. Je vous parlerai du président Mimboto. Et je vous parlerai par exemple d'Oyemba, de mon père, de Madame Paulette Misambo. Dans notre chapelle politique, la liberté d'expression, de pensée, est toujours mis en avant. Mais cela doit se faire dans le respect. C'est pourquoi, monsieur le président, je vous avais dit que je me présente comme un soutien critique. Je vais vous accompagner, mais acceptez ma position. C'est ça le respect. Monsieur le président, vous n'aviez pas d'autre choix. Ce n'est pas un ordre. Mais je vous assure, je ne vous donne pas l'ordre. Et je vous l'ai déjà dit, c'est la troisième fois. Et il n'y a pas de prophétie sans signe. Je vous ai dit de retourner très vite vers la constitution de 1991. Il y a plusieurs mois. Il y a un mois. Et hier, je ne me suis pas concerté avec Jean-Rémy Yama. Mais hier, il vous l'a dit. Monsieur le président de la République, rentrer dans l'histoire se fait sur deux positions. Rentrer dans l'histoire a alors deux portes. La porte du ridicule, dont les gens s'en souviendront de vous, comme un piètre président qui avait certainement eu la chance d'arriver là et qui est parti. Parce que l'histoire d'Ali, quelle que soit la manière dont son chantre et griot politique, Bilibiseux, peut nous inscrire
dans les lettres fausses de Awumawu, mais son histoire ne va jamais changer. Ali est un piètre président. Même les petits-enfants vont chanter ça. Parce qu'il avait fait le choix d'écrire son histoire avec un stylo noir, l'encre bourrée de sang des Gabonais. Du sang des Gabonais. Monsieur le président de la République, il faut savoir écrire les lettres en or de votre histoire. Et pour écrire les lettres en or de votre histoire, c'est de faire de votre peuple un peuple heureux. Et d'ailleurs, vous-même, vous l'aviez dit, restaurer la dignité des Gabonais. Mais la restauration de la dignité des Gabonais passe par une constitution juste, équilibrée, qui donne le rêve à tous les Gabonais et qui répartit le pouvoir équitablement de telle sorte qu'il y ait un véritable regard dans l'action politique de notre pays. Monsieur le Président, personne n'est contre vous. Mais vous commencez à être contre vous-même. Comme hier, Ali était contre lui-même, aujourd'hui, les gens qui sont autour de vous sont tentés de vous éloigner de votre véritable bouclier politique. Ne dit-on pas que un leader sans peuple est un leader en papier? Pourquoi veut-on vous déshabiller de votre peuple? Je voulais vous dire ce matin, monsieur le président de la République, ce torchon qui va sortir de la nouvelle constitution n'arrange pas le peuple. Et ceux qui vous disent que vous allez gagner, moi, fortuné, je préfère vous dire, réconciliez-vous avec le peuple. Parce que je ne pense pas qu'à la lueur où vont les choses, que nous allons atteindre, oui, on peut atteindre 60%, mais nous n'allons pas atteindre 80%. Or, la victoire, le pourcentage de sécurité lors des élections d'un référendum est égal à 95%. Regardez les conflits qui naissent de part et d'autre. Nous savons les menaces qui viennent d'ailleurs. Nous les savons. Et nous savons aussi à quel moment nous allons répondre à ces menaces. Parce qu'il n'y a pas un autre pays qui peut décider à la place du Gabon. Les décisions du Gabon vont se prendre au Gabon. Si au Gabon on dit que les étrangers ne seront plus, les binationaux ne seront jamais candidats aux élections présidentielles ou quoi, c'est ça. Si on dit que les étrangers ne doivent plus avoir les terrains au Gabon, c'est ça. C'est pas à un président d'ailleurs, comme je prends à l'instar de Sassou, à l'instar de Sassou, ou à l'instar de Ouattara, on n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un. Je vous assure, monsieur le président, faites de votre peuple votre seul bouclier et vous allez rester au pouvoir autant de fois que vous voulez l'être. Si vous voulez avoir un pouvoir longanime, prenez comme seul bouclier et épée le peuple gabonais. Maintenant, ceux qui viennent chuchoter le malin, la ruse, dans leur intérêt personnel et prétendent vous vendre votre intérêt, monsieur le président, j'ai parlé. Donc, monsieur le président, moi je vous soutiens, mais je ne voterai pas lui. Vraiment, je vous le dis, monsieur le président. À l'allure où va cette constitution-là, monsieur le président, j'ai bien envie, je vous jure, vous ne pouvez pas savoir. Je vous soutiens, je ne sais pas comment vous le dire, mais la constitution-là, moi je vote non. Un non pour sauver la patrie. C'est Fortuné et Doux, votre humble serviteur, la voix des sans voix. Membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union Nationale. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Que Dieu vous protège. Restons dans la prière car notre pays en a besoin. Énormément besoin. Peuple gabonais, essayons de nous dévêtir de la haine. Essayons de nous dévêtir
de l'égoïsme. Pensons d'abord à notre pays, le Gabon. C'est ce pays qui est plus important pour nous. Olivier était un bâtisseur, mais on ne triche pas l'examen avant l'examen. Monsieur le Président, si peut-être c'est nous qui mentons, je vous ai dit la dernière fois, si nous on vous ment, allez-y, vous avez des amis, vous étiez au Maroc, vous avez fait des études là-bas, partout, allez-y aussi voir cela en cachette, demandez à vos amis si nous avons tort. Monsieur le Président, prenez conscience de ce que je vous dis. Le peuple gabonais n'acceptera pas cette constitution. Les mêmes gens disaient à Ali hier, tu vas gagner. Ali Bongo va gagner les élections. Ils disaient à Ali, en 2016, qu'il va gagner les élections. Monsieur le Président, regrouper 1000 personnes dans un stade, n'est-ce pas dit que le peuple est acquis à votre cause? Il y a ceux qui viennent par curiosité, d'autres qui viennent parce qu'ils ont porté le t-shirt, d'autres qui viennent, et peu sont ceux qui viennent pour eux. Nombreux seront appelés, mais peu seront des élus. Monsieur le Président, c'est nous qui sommes au quotidien avec des Gabonais dans les bas quartiers. Ceux qui vous parlent en haut là, il ne faut pas que ceux-là vous trompent. Laissez la constitution des penseurs de la gastronomie qui sont venus les goinfres, ces mafiosis, cette mafia politique-là. Laissez cette nouvelle constitution. Allez-y reprendre la constitution de 1991. Mettez ça sur la table. Le peuple va croire en vous. Et le peuple va voter oui. Mais si c'est le machin-là où on a habillé tout, on vous ment. Que vous gérez tout. Entre temps, ils vous disent que c'est vous qui gérez, mais derrière, ils vont tirer les ficelles pour mieux bouffer. Et aucun d'eux ne sera condamné parce qu'il dira, moi je recevais des ordres. Nous l'avions entendu, nous l'avions vu ici au Gabon. On fabrique une cage constitutionnelle pour vous mettre à l'intérieur et enfin de mieux vous sucer. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, venez rester sans cage. Soyez libre. Ayez confiance en votre peuple. À bon entendeur, salut. Bon, écoutez, je vous quitte. Merci beaucoup. Randy Savant, Triel à logo. Mais Triel, j'arrive là-bas. Ok, bon, merci.